Monsieur Maty souhaitait vendre cette polyclinique et donc il a essayé de trouver un repreneur. Et donc c'est l'EHG qui s'est proposé pour reprendre cette polyclinique. C'est sûr que l'ensemble hospitalier de la Côte a apporté énormément hein, par sa logistique, son organisation. Nous avons maintenant 5 salles de consultation à la place de 3. Le matériel a été rénové, nous avons du matériel neuf. L'ancien médecin-chef de la polyclinique est parti en retraite. Donc il y a aussi toute une équipe médicale nouvelle qui se met en place. Donc beaucoup de changements, mais voilà, c'est un beau projet et on est très heureux de pouvoir faire partie de ce projet. Les deux fois où je suis venue, à savoir aujourd'hui et puis il y a quelques années pour un bras cassé, ça a été très rapide, très professionnel, j'étais très contente, donc c'était top. Tout le monde se réjouissait beaucoup de ce 17 novembre. On était tous impatients de pouvoir entrer dans ces magnifiques locaux. C'est immense et les patients aussi, on a eu beaucoup de retours positifs et puis ça donne de la motivation pour nous aussi, pour toute l'équipe. Et puis on est content aussi de faire partie de l'EHC. On entre dans une toute grande famille en fait. Puis on apprend de nouvelles choses, il y a d'autres perspectives aussi, des nouveaux programmes, des nouveaux modes aussi de fonctionnement. Pour nous, c'est des bons objectifs pour le futur. Ça apporte beaucoup de choses. C'est sûr que le réseau de l'EHC est extrêmement important. Ça ouvre un panel de spécialistes très important. Disons que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour nous, médecins, parce qu'on a une facilité de pouvoir adresser les patients. Et puis c'est gagnant pour les patients parce qu'on va pouvoir essayer de leur trouver un rendez-vous peut-être plus facilement via le réseau de l'EHC.